Avec ses lumières multicolores et ses jets d'eau qui s'élèvent dans le ciel nocturne, la dernière attraction des Émirats Arabes Unis a obtenu jeudi le record Guinness de la plus grande fontaine au monde. Située à la pointe, dans le quartier de Palm Jumeirah à Dubaï, la fontaine des palmiers a été dévoilée lors d'une cérémonie diffusée en Mondovision. Ils sont donc sur 40 000 pieds carrés. C'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui, prétendant d'obtenir le record du Guinness Book pour la plus grande fontaine du monde. L'un des aspects intéressants, c'est aussi ce super jet. Il y en a 128, ils peuvent atteindre 105 mètres d'hauteur. Un autre élément charmant de la fontaine des palmiers est le fait qu'elle est multicolore. Mais avant que la fontaine ne reçoive sa consécration, les inspecteurs doivent confirmer qu'elle dépasse bien le précédent record. Je ne peux pas dire pour l'instant, nous sommes toujours en attente de quelques informations. Mais s'ils répondent à tous les critères, ils pourront devenir les nouveaux détenteurs du record mondial Guinness. À l'heure actuelle, le détenteur du record est une fontaine en Corée du Sud qui mesure 2519 mètres carrés. C'est ce qu'ils doivent dépasser pour établir le nouveau record du monde Guinness. Dans tous les cas, sa place dans l'histoire est maintenant assurée avec ses 3000 lumières, ses jeux de couleurs, sa taille et ses shows musicaux diffusés sur écran toutes les 30 minutes. Par ailleurs, la fontaine des palmiers sera accessible au public toute l'année.